Nous sommes ici pour une exposition qui s'appelle Classic Reloaded Méditerranéen, que vient, c'est la troisième étape maintenant, elle vient de Beyrouth et de Tunis et maintenant à Rabat, parce que ce sont une sélection de 13 artistes italiens de la collection du musée qui ont cette relation entre la culture méditerranéenne et les lieux qui ont fait les expositions. Parce qu'on a choisi de faire les expositions pas dans des lieux anonymes, mais toujours à Beyrouth, à Tunis et à Rabat. On a eu la possibilité de choisir des très beaux lieux avec une histoire, avec une tradition, avec une culture entre laquelle les œuvres se peuvent mettre en relation et faire cette dialogue entre les arts et les traditions. Quel type d'œuvre vous avez voulu exposer et qu'est-ce qu'elles représentent dans l'art, ces œuvres ? Ce sont 13 artistes italiens de différentes générations. Il y a de Gino De Dominicis jusqu'à les jeunes de Salvatore Arancio. Donc sont très différents les générations entre eux. Et ils travaillent surtout avec les techniques traditionnelles, avec les matériaux traditionnels et avec une sensibilité des formes qui, en effet, entre très fortement en relation avec l'esthétique et la culture des lieux où on l'apportait. Yes, this is an artwork of Cette partie de l'exposition nous ramène à l'époque Pythagore grec, gréco, par ses sculptures avec différents matériaux, du cuivre et du métal. Tout ça en relation avec cette œuvre en face qui explique la fragilité et qui nous ramène encore une fois à la tradition avec ces espèces de balais et le marbre qui est en bas, les colonnes en marbre en bas. L'exposition regroupe 13 artistes avec 20 œuvres, toutes différentes, et l'exposition débutera aujourd'hui, le 7 juin, et finira le 30 octobre 2019. Que signifie cette exposition organisée par le musée Maxi de Rome? Oui, c'est comme vous savez un des musées les plus importants que nous avons en Italie et le Maxi joue un rôle de diplomatie culturelle en présentant dans la rive sud du Méditerranée et je suis très heureuse que Rabat a pu être parmi les lieux où cette exposition a eu lieu pour développer la collaboration bilatérale dans les relations culturelles. C'est le dialogue de paix qu'on voit présenter à travers les œuvres de 13 des plus importants artistes italiennes contemporaines. Est-ce qu'il y a un rapprochement entre les deux cultures? Bien sûr, nous avons une forte syntonie et qui est très évident dans la présentation dans la Villa des Arts, qui est un endroit fantastique et magnifique, et les œuvres italiennes. Donc la syntonie est très forte et le message est très fort aussi.